اعمال لاعبين سي وليد السدقاوي هو اه موجود في المباشر معانا، قال لي راهو صاحبي ياكد، يقول لي خويا هو راهو صاحبي. اي سيدي مرحبا سي وليد. مرحبا سي مهدي، ومرحبا بيك وبالحضور وبكريم ومحمد. كما نتاكد نقول ديما اخويا محمد مصطفى صح. يعطيك الصحة. ومرحبا بكامل المستمعين سنتر كامل. يعطيك الصحة، شكرا. مفاجأة سارة وليدي. أي مفاجأة سارة، واسمع ما يخرجش برشا راهو في الإعلام، راني أنا بديت تفاجأت بيه. عندي شهر وأنا نخدم فيه باش نخرج. يعطيك الصحة وليد. هيا نسمعوا مقتطف هكا من الحوار هذا، تحدث فيه على جو ميشيل كافالي، على سر وجوده في تونس في الأيامات الماضية، أيضا على حظوظ المنتخب التونسي، نظرته لمشاركاتنا إن شاء الله في كأس العالم، وحكى شوية وارخ في علاقته مع المنتخب التونسي، مع نادي ايضا اللي يقول جاني عرض سابقا. Le secret de ma visite en Tunisie c'est des contacts très importants avec des africains noirs. Oui, je connais très très bien le football tunisien. D'abord, j'avais été contacté par Sfax où j'ai failli signer, malheureusement au dernier moment tout était tombé à l'eau, parce que je connais moi la Tunisie depuis les années 90. Parce que j'étais venu avec Lille faire un tournoi où le malheureux défenseur de l'Espérance était tombé sur le terrain, était décédé. Elle est Barkis, ouais, puisque j'étais entraîneur de Lille en première division française. Mais j'ai été contacté à une ou deux reprises, à deux reprises même, par l'équipe nationale de Tunisie aussi, où la première fois je n'avais pas pu me libérer, j'étais sous contrat. Puisque j'étais avec la sélection algérienne 2006-2008 et j'ai été contacté une deuxième fois pour la sélection tunisienne, mais malheureusement j'avais été battu en finale par Alain Giresse. Donc c'est un regret parce que je connais très très bien le football en tunisien. Il y a même un compatriote à moi, je peux dire, Wabri Ghazri, qui est né en Corse, dans mon pays, oui. qui a grandi, qui a fait les premiers pas dans mon club de cœur. La Tunisie, moi, ma surprise, elle a fait... mais elle alternait parfois le bon et un petit peu le moins bon. Mais c'est une équipe très homogène, qui a des bons jeunes, qui a une équipe avec un potentiel offensif très important aussi. C'est toujours très, très intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a mûri. Elle a mûri, elle a l'expérience pour se comporter honorablement. Avec un staff tunisien. Oui, tout à fait, avec un staff tunisien. Bon, parfois, vous savez, il ne faut pas croire que l'herbe du voisin, c'est toujours la meilleure. Mais bon, il faut tout essayer, hein. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on ne peut pas dire que les autres ont réussi. C'est vrai que aussi les Tunisiens n'ont pas réussi non plus, mais bon, il arrivera un jour ou peut-être. Vous savez, la France aujourd'hui, elle pourrait présenter trois équipes en Coupe du Monde. C'est une équipe, c'est une nation qui a un potentiel énorme avec les plus grands joueurs du monde. Et vous savez, moi, les anciens, les vieux qui aujourd'hui, malheureusement, paient leur âme, ont décédé, m'ont toujours dit que pour gagner une grande compétition, il fallait un grand joueur. Donc lui, la France en plus, a ces joueurs-là. Donc aujourd'hui, ils sont toujours soit vainqueurs d'une grande compétition, soit finalistes. Ils sont toujours dans le carré d'as. Donc c'est une équipe qui est aujourd'hui dans une bulle, une nation qui est dans une bulle et qui pense que même s'ils sont quand même lucides, ils pensent que rien ne peut leur arriver. Mais le football, il nous réserve aussi beaucoup de surprises. Moi, je ne serais pas aussi confiant quand même, parce que la Tunisie peut surprendre. L'avantage de la France, c'est que si demain elle perd un, deux joueurs de base, elle peut les remplacer sans problème, il n'y aura aucun souci. Est-ce que le Danemark ou la Tunisie, s'ils perdent un ou deux joueurs de base, c'est compliqué. Oui, donc voilà où est la force de la France aujourd'hui. واضح جو ميشيل كافالي به في التصريح هذا. كريم وتنجي الوليد ومحمد بساش هو تو الصغير فيكم هذاك، علاش انا ديما نسبق فيه الظهير الايمن هو اللي سنتر واحد انا كنت نحبه برشا كملاعب قبل والله. كريم معناه